il a remis le casque, on va ouvrir le micro. Delphine Ledoux au massu. Exercice au massu pour Delphine Ledoux de Calais. Delphine qui fait partie du célèbre Pôle France de Calais que nous connaissons bien, Michel, dirigé par la famille Bonvoisin. Pôle France de Calais qui a formé de très nombreuses gymnastes, non seulement individuelles mais également des ensembles en gymnastique rythmique. Essentiel à la manipulation de l'engin, les massues et aux équilibres sur une jambe. En quelque sorte, la spécificité de cet engin. Erreur ici, cette massue difficile à maîtriser, un petit peu comme le ballon tout à l'heure pour Jennifer. Un petit peu à l'image des arçons, dont vous parlez, du cheval d'arçon dont vous parliez tout à l'heure, Michel, comme étant l'engin le plus difficile pour les garçons. Quel engin vous paraîtrait le plus difficile en gymnastique rythmique? Enfin, on ne va pas tous les voir cet après-midi, mais précisons la corde, le ruban, le cerceau, les massues, le ballon. Actuellement, je pense effectivement que ce sont les massues. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Chaque gymnaste, maintenant, a ses points forts et ses points faibles. Et certains pourront préférer un autre engin, mais celui-ci est particulièrement difficile. D'abord parce qu'il y a deux engins en un, les deux massues, et qu'il faut des qualités d'adresse tout à fait particulière pour pouvoir jongler avec ses massues. Et cela, voilà, vous voyez, les positions d'équilibre là sont imposées dans ce code de pointage et sont très difficiles à respecter tout en manipulant l'engin d'une main ou des deux mains.